La richesse est avant tout un état d'esprit avant qu'elle n'atteigne votre compte en banque. Hello la famille, dans cette vidéo d'aujourd'hui, Jasper Singh, l'un des meilleurs entrepreneurs à succès, nous fait part des secrets et des astuces cachées que les grands entrepreneurs utilisent et que la plupart des personnes ignorent et qui les gardent dans la pauvreté. Alors, je te prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. La richesse est avant tout un état d'esprit avant qu'elle n'atteigne votre compte en banque. Lorsqu'il s'agit des différences entre les pauvres et les riches, cela ne commence pas avec la quantité d'argent que vous gagnez. Cela ne commence pas avec le diplôme que vous avez. Cela ne commence pas avec l'identité de vos parents ou le milieu dans lequel vous vivez. Cela ne commence pas avec vos antécédents. Mais cela commence par l'état d'esprit que vous avez et c'est vraiment la racine de la richesse. Comment se fait-il que certaines personnes deviennent si incroyablement riches alors que la majorité des gens ne le deviennent pas? Ce n'est pas qu'ils ont un super pouvoir spécial. Ce n'est pas qu'ils possèdent une compétence particulière. Ce n'est pas qu'ils sont tellement plus intelligents que les autres. Ce n'est pas qu'ils travaillent tellement dur. C'est qu'ils croient qu'ils le peuvent et ensuite ils utilisent leur temps différemment. C'est tout. Si vous vivez votre vie et que vous dites que c'est à cause du gouvernement que je suis fauché, que c'est mon cupide coopération qui est la raison pour laquelle je suis coincé à un travail que je déteste. Oh, je ne peux pas changer ma vie à cause de X, Y et d'autres. Vous continuez à pointer du doigt les raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas. Eh bien, il vous sera impossible de réussir. Le meilleur rendement que j'ai obtenu sur mon investissement n'est pas l'immobilier. Ce n'est pas le marché boursier. Ce ne sont pas les investissements dans les startups que j'ai fait. Le meilleur rendement que j'ai obtenu sur mon investissement jusqu'ici, c'est l'investissement que j'ai fait en moi-même. Numéro 1, bougez-vous. Numéro 2, essayez de dépenser le moins d'argent possible jusqu'à ce que vous gagnez beaucoup d'argent. L'entrepreneuriat est difficile. Il faut beaucoup travailler. Et au début, je travaillais 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances et sans jamais dépenser d'argent. Il faut être prêt à travailler et comprendre qu'il faut du temps. Je dirais une décennie de sacrifice si vous voulez vraiment avoir le succès dans vos affaires. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vous vendent ces merdes que vous pouvez le faire en 6 mois. Oui, vous pouvez le faire en 6 mois si seulement vous mettez une décennie à apprendre comment ça marche. Mais vous ne pouvez pas contourner cet effort d'apprentissage. L'effort de passer par les erreurs, l'effort de tout. Oui, l'éducation peut raccourcir ce temps, mais vous ne pouvez pas contourner tous ces efforts. Créer une entreprise demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup de travail. Les investissements que j'ai réalisés dans ma propre formation financière ont été beaucoup rentabilisés plusieurs fois. Et je ne peux pas voir ces retours nulle part ailleurs. Vous savez, on dit que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même. Je vous recommande de sortir et de commencer à lire. Commencez par lire 25 livres. Cherchez les 25 meilleurs livres de l'éducation financière et commencez à les lire. Cherchez les 5 meilleurs livres sur la gestion de l'argent et de l'investissement. Les 5 meilleurs livres sur la création d'entreprise. Les 5 meilleurs livres sur l'expansion d'une entreprise. Les 5 meilleurs livres sur la gestion d'une entreprise. Et les 5 meilleurs livres sur la bibliographie des grands entrepreneurs à succès. Et peu importe lequel vous choisissez, mais trouvez ceux qui ont les meilleures notes, les meilleures évaluations et les meilleures critiques. Et cela vous coûtera moins de $500. Mais lorsque vous ferez cela, vous pourrez obtenir une formation de niveau MBA sans payer le prix de MBA. Et vous allez regarder le monde d'une autre manière. Et la façon dont vous utilisez votre argent sera complètement différente une fois que vous aurez terminé ces livres. Si vous vous promenez en disant que je ne peux pas avoir cette belle chose parce que je suis fauché, je ne pourrai jamais réussir à cause de mon apparence, je ne pourrai jamais réussir à cause de quoi que ce soit, je peux vous garantir que vous ne réussirez jamais. Mais si nous retournons la question et que vous dites comment puis-je réussir? Comment gagner plus? Comment devenir riche? Comment sortir de la situation dans laquelle je suis? Votre cerveau regarde le problème complètement différemment. Parce que maintenant, vous ne vous plaignez pas du problème, mais vous essayez de trouver une solution au problème. Et c'est la plus grande différence entre quelqu'un qui devient riche et quelqu'un qui ne le devient pas. Cela commence par l'état d'esprit, car une fois que vous avez changé votre état d'esprit, vous allez commencer à changer vos actions. Maintenant, vous allez découvrir que, oh, je n'ai plus besoin de dépenser de l'argent chez Gucci. Oh, je n'ai pas besoin de sortir et de manger tous les jours. Oh, je peux économiser de l'argent par ici. Oh, je pourrais demander une augmentation à mon travail. Oh, peut-être que je peux commencer une activité secondaire ou peut-être que je peux créer mon propre entreprise. Oh, vous voulez dire que je pourrais potentiellement passer mon revenu de $40,000 à $400,000 par an? Oui, c'est possible.
possible. Parce que quand la plupart des gens attendent cela, ils pensent que c'est impossible. Quelqu'un comme moi ne pourrait jamais passer de 40 000 $ à 400 000 $ par an. Mais tant que vous ne croyez pas que c'est possible, vous n'allez jamais faire l'action pour rendre cela possible. Nous disposons tous de 24 heures par jour. La différence entre quelqu'un qui réussit par rapport à quelqu'un qui ne réussit pas réside donc dans l'apport que l'on fait de ces 24 heures. Si vous passez votre temps sur Netflix, si vous passez votre temps à jouer à des jeux vidéo, si vous passez votre temps à faire des choses qui n'apportent aucune valeur financière à votre vie, oh, eh bien, si nous comparons cela avec quelqu'un qui travaille maintenant, qui apprend maintenant, qui s'investit dans son éducation, vous obtiendrez deux résultats complètement différents. C'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « je vais juste travailler très dur, je vais travailler 20 heures par jour ». Parce qu'on peut travailler très dur et être fauché. Maintenant, la question est de savoir comment rendre votre travail acharné le plus évolutif possible. Car présentement, c'est ce qui vous mènera au succès. D'accord? Je ne veux pas être fauché. Alors, ce qui vous reste à faire est de travailler dur. Ce qui est génial. Je recommande à 100% de travailler dur parce que sans ce travail acharné, il vous serait impossible de connaître un réel niveau de réussite. Maintenant que vous travaillez dur, la question suivante est de savoir comment faire pour que ce travail acharné soit le plus gratifiant. Ce que vous pouvez faire pour que ce travail acharné produise les plus gros rendements et les meilleurs dividendes possibles. Et c'est là que les gens disent de travailler intelligemment. Vous savez, certaines personnes disent de travailler intelligemment, pas de travailler dur. Je pense que c'est un tas de conneries. Je pense que vous devez travailler intelligemment et travailler dur. Ils vont de pair parce que le travail acharné va vous permettre de faire évoluer votre travail intelligent. Et vous devez maintenant comprendre cela, d'accord? Je veux devenir plus prospère financièrement, alors comment faire? Qu'est-ce que l'éducation financière? Qu'est-ce que je fais quand je gagne plus d'argent? Que vais-je faire de cet argent? Où vais-je l'investir? Comment vais-je gagner cet argent? Que puis-je faire en termes d'impôts pour protéger ma richesse? Que puis-je faire avec mes investissements pour les faire fructifier? Que puis-je faire pour construire une entreprise? Alors maintenant, vous commencez donc à vous poser ces questions. Et je sais que certains de ces sujets sont très profonds, mais tout commence par cet état d'esprit qui consiste à croire que c'est possible pour vous. Parce que si vous ne croyez pas que c'est possible pour vous, vous avez raison. Mais si tu crois que c'est possible pour toi, tu as aussi raison. Et quelle que soit votre croyance, elle va changer en fonction de la décision que vous avez prise. Tu dois travailler très dur, mec. Tu sais, je ne recommande pas ce que je fais à qui que ce soit. Mais quand j'ai commencé, j'avais des gens à qui je devais prouver qu'ils avaient tort. Le monde entier me disait que je ne pouvais jamais être entrepreneur. Tout le monde me disait que j'étais stupide de vouloir quitter mon confort, d'essayer plutôt d'être un médecin. Le monde entier me disait que je gâchais tous les sacrifices que mes parents ont fait pour moi. Je devais travailler parce que je savais que je ne voulais pas que ce soit la réalité. Et je travaillais des journées. 20 heures par jour, 7 jours par semaine, ce qui signifiait que je dormais quasiment 4 heures par nuit et de manière constante. Je veux dire que c'est un travail très difficile qu'il faut traverser. Et vous savez, tout le monde est différent. Beaucoup disent, je ne peux pas dormir 4 heures par nuit. Maintenant, j'ai besoin de plus de sommeil. J'ai besoin de plus de repos. C'est pourquoi je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais tu dois être prêt à faire le travail que personne d'autre ne fait. Parce que si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous serez dépassé et vous serez battu. Et un entrepreneur, c'est un homme de guerre. Tout le monde essaie de te battre. Et si vous n'êtes pas prêt à travailler, quelqu'un d'autre viendra le faire, alors vous serez battu.